Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu crash test où aujourd'hui j'avais envie de vous proposer de tester des produits en direct live avec vous, en réalisant mon make-up avec vous, tester des nouveaux produits que je n'ai jamais testés, vous donner mon avis en direct et surtout vous faire gagner une sublimissime palette de chez Too Faced. Donc je vous invite à rester avec moi pour cette vidéo. Déjà je vous montre les deux palettes que je vais utiliser lors de cette vidéo. Ce sont les deux nouveautés de chez Too Faced, la Chocolate Gold. Donc voilà, je vous propose ici en commentaire, en mettant votre palette favorite entre les deux, et dans votre commentaire, et sur Instagram et sur Facebook aussi, sous la photo qui correspond à ces deux palettes, pour me dire celle que vous préférez. Bien sûr, il y aura quelques petites conditions qui sont en barre d'infos. Pour la Too Faced Sweet Peach, je vais l'utiliser mais pas entièrement puisque elle est vraiment que matte. C'est la Just Peachy Matte. Moi je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même style de pigmentation que l'autre, donc c'est à vous de choisir. Celle-ci je l'ai jamais testée, du coup je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc c'est la Chocolate Gold, packaging au top, que des fards hyper pigmentés puisque je les ai testés, et je vous mettrai la photo justement des swatchs. Mais elle envoie du lourd, elle envoie du lourd. Donc ça, je vous proposerai de les gagner. Et au niveau du fond de teint, on va commencer tout de suite par ce fond de teint-là, qui est Born This Way de chez Too Faced, que j'ai reçu grâce à une de mes abonnées qui l'a testé, qui n'aime pas. Donc merci Naïma, si tu passes par ici. Donc je vais le tester ici avec vous. Premièrement, sur ma peau, j'ai mis le Estée Lauder, dont je vous parle souvent, puisque c'est vraiment la fin, et j'ai décidé pour les dernières gouttes de le garder que pour le matin, puisqu'avant je le mettais matin et soir. Il a un effet lissant, c'est un sérum peau neuve, effet lissant, donc pour le matin c'est parfait. Et pour le soir, du coup, je suis passée à une routine bio de chez Abelie. Je vous l'avais fait gagner sur les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas à me retrouver parce que je vous fais gagner quand même pas mal de choses. C'est le sérum douceur de miel avec la crème douceur de miel, qui est un combo mais juste magnifique. J'adore, depuis que j'utilise, depuis une semaine, je l'adore. Donc oui, on commence tout de suite par le teint. J'utilise donc le Born This Way en teinte nude. Je ne sais pas du tout si ça va aller cette teinte. Ma foi, ça avait l'air d'aller à peu près selon les... Ça m'a l'air un peu foncé, mais on verra. Et j'utilise ma Beauty Blender, de la marque Beauty Blender. Donc c'est parti. J'ai appliqué le Born This Way. Ma foi, il est un chouïa foncé pour moi. Vous allez peut-être pas le voir, mais je pense que dès que je prendrai un petit peu de couleur, il sera parfait. Mais là, pour la saison, il est un tout petit peu foncé. Avec le Beauty Blender, il s'étale bien. Il a vraiment une bonne couvrance. Il marque pas trop. Il marque un petit, il marque un petit peu les ridules quand même, ou les rides d'expression. Il est un petit peu moins fluide que le fond de teint que j'utilise en ce moment, qui est celui de chez MAC. Il est vraiment très couvrant. Je pense que si vous en mettez plusieurs, là j'ai mis qu'une pompe, mais si vous en mettez plusieurs, je pense qu'il y a une couvrance quand même extrême. Donc je vais m'arrêter là pour moi. Je vais mettre mon anti-cerne, mais ma foi il est confortable. Voilà. Après on le sent plus, il est couvrant mais on le sent plus. Je vais mettre une petite touche d'anti-cerne pour illuminer un peu tout ça. Donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay, dont je ne suis pas hyper fan, mais bon, ma foi, il faut que je l'utilise. Bien sûr, je vous reparlerai de tous ces produits que je teste dans d'autres vidéos, après quand je les aurai testés plus en profondeur. Au niveau des sourcils, je vais utiliser le Anastasia Beverly Hills, le Deep Brow Pomade en couleur Soft Brown, que j'aime beaucoup, avec le pinceau de la même marque. Au niveau
niveau du teint, j'ai décidé de tester cette palette là que j'ai eue par ma copine H Cosmétique. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos à mon anniversaire. Alors je ne l'ai pas encore testé ma foi, j'ai tellement de produits teint et j'ai essayé de pas trop changer. Donc ben, je me suis dit que là c'était l'occasion de la tester en vidéo. C'est une palette de chez Bare Minerals avec, comment elle s'appelle cette petite palette, Trio Poudre Sculptant avec voilà ben, un blush, un bronzer et un highlight, donc je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser dans cette vidéo, comme ça j'ai 3 en 1. Donc testons. Le blush s'appelle le Rose Mat. Tous les pinceaux que j'utilise, en tout cas pour le teint, sont des pinceaux de chez Sephora. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous dit. Là c'est le numéro 49 spécial pour le blush. Alors la pigmentation n'est pas trop là. Hein. Ou c'est pas... En tout cas, faut y aller. Hein. En revanche, il est joli, il est mat, mais il est hyper discret. Hein. Pour le bronzer, je vais utiliser, juste pour faire un effet un peu bonne mine, le 40 de chez Sephora toujours. Donc c'était le Amber Glow au niveau du bronzer, au niveau du highlight, c'est le Gild Glow. Alors vous allez vraiment rien voir au niveau de la pigmentation, j'ai vraiment l'impression que c'est pas très pigmenté cette petite palette. C'est dommage. Regardez, quand je swatch avec mon doigt, on voit quasi rien. Ça fait un petit effet, mais bon, très discret. Regardez, je vais vous swatcher les trois. Ça, vous allez voir directement. Vous voyez, c'est pas... D'ailleurs, il est un peu orangé quand même, le bronzer. Ma foi, j'espère que ça fera pas trop orangé sur moi. Mais sinon, le blush, c'est pas un truc de fou, hein. Donc c'est pas la révélation cette palette, mais voilà, je suis contente de découvrir la marque Bare Minerals. On va passer aux yeux maintenant que mon teint est fait. Et on va commencer par mettre une couleur de cette petite palette pour unifier ma paupière. Et je vais mettre tout simplement la plus claire ici. Celle-ci toujours, je vais utiliser le blush ici pour faire mon creux de paupière, c'est le Peach Tea, qui est hyper pigmenté, hein. Ouh. On va y aller mollo parce que là... De la palette de chez Gold, enfin Chocolate Gold, je pense que je vais utiliser ce ton là et ces tons là, je trouve trop beau, mais vraiment toutes les couleurs ont l'air dingue et même celui-ci il a l'air trop beau là. Résultat, j'ai utilisé le noir qui est ici, le blanc aussi qui est mat. En fait, dans cette palette, il y a quand même pas mal de choses vraiment bien. Et à la fin, vous avez dû le voir, j'ai utilisé le Rich Girl qui est celui-ci avec le doigt. La pigmentation sur le doigt est beaucoup
plus intense que sur le pinceau. C'est le problème avec les fards un peu comme ça, texturés, pailletés, irisés. Enfin, ils sont vraiment texturés et irisés, mais je les trouve trop beaux. Avec cette palette, vous pouvez vraiment faire tout plein de make-up, mais vraiment soutenu. Alors qu'avec la palette mat, vous pouvez faire des make-up plus de journée, plus mat, plus soft on va dire, hein. Donc je vous montre de plus près le maquillage, même si j'ai pas mis du tout encore de mascara, je vais le mettre juste après, mais voilà, j'ai utilisé à peu près 4 couleurs pour réaliser, donc le noir, le Rich Girl, le Famous et le Gold, comment il s'appelle, Gold Dipped. Voilà, j'ai pas encore osé utiliser les fards hyper colorés comme le rose ou le kaki, mais ça ne serait tardé, honnêtement. Je vous montre ça de plus près. Vous aurez vu le rendu à peu près. En tout cas, pour le mascara, j'utilise toujours la même chose. Pour cela, j'ai pas de nouveauté à vous proposer puisque ben, je finis mes mascaras. Après, j'en ouvrirai un autre. C'est le Maximizer Dior Show que je mets en base et le Better Than Sex, comme d'habitude, que je mets en plus. Donc, ben, je les mets tout de suite et je vous montre le résultat. Moi je suis une grande fan du Better Than Sex. Vraiment ça, ce sont deux produits que j'adore. Donc ça je vous les recommande fortement. Pour les lèvres, j'ai décidé de tester ce rouge à lèvres de chez Dior que j'ai reçu dans un colis de folie. Je vous remettrai le lien ici de ma vidéo. Et c'est le 650 sérum de rouge. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut rendre. Ah oui, ça se tourne. C'est une jolie couleur, mais c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter, mais ma foi c'est frais. Au niveau du teint, ça donne un joli teint frais, donc... Ah si, ça monte, j'allais dire, mais comment ça marche? Oui, elle est super jolie. Donc c'est une jolie couleur, je trouve vraiment sympa, et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est hyper hydratant... Ouais, c'est hyper frais. Donc je sais pas ce que vous allez en penser en commentaire, mais dites-moi. Au niveau du teint, honnêtement, je trouve que quand même, vous allez peut-être pas le voir dans la caméra, mais il marque vraiment le fond de teint. Toutes vos... si vous avez des marques de sécheresse ou des choses comme ça sur le visage ou des petits boutons, enfin je veux dire, on les voit vraiment... on les voit. On les voit. Au niveau des yeux, moi je suis hyper fan de la palette, des palettes, des deux. Et le rouge à lèvres, il marque aussi les petites peaux mortes. Hein. Il est hydratant, mais il marque les peaux mortes. Je l'ai un petit peu, du coup je les vois. Je vous fais un gros zoom. J'espère que ça vous plaira cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à aller participer au concours et à me laisser un petit commentaire en me disant quelle palette vous donne le plus envie entre ces deux-là. Et je suis trop ravie de vous en faire gagner une. Donc je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous laisse avec le make-up de plus près. Salut !